nouvelles, on part à la montagne avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un chat choumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. Alors, Richard, notre taxi est arrivé. On descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Quoi? Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire et de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Boulay-Vaches, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninges, Mignon-Val-des-Naz et Sellières-Super-Chevel. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, bah, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Super-Chevel. Oh, l'amour! Allô, Tristan, c'est Lou, j'ai un truc à te dire. Moi aussi, figure-toi que j'ai loupé notre train. Non. Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. Dans un train couchette qui va à 2 à l'heure. Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Ben oui, je suis dans un wagon de tête, je remonte le train à ta rencontre. Allez la flaque, tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula. Non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? C'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chat Choumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. En fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Oh. Billet, s'il vous plaît. Chat Choumou! Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic, vous savez vous servir de vos pouces? Tu vois, la montagne te porte chance, la montagne, c'est magique. Tâche de ne pas faire un truc à la loupe, genre croiser Tristan sans voir. Oh, t'exagères, toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà, vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut. Bon, on refait une partie, je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou, chérie. Minou, Minou, Minou. Bonsoir, madame. Tout va bien? Aïe. Tristan, salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Ben, il a des pattes, une tête et une queue.
Non, désolé. Et vous, vous auriez pas vu Lou par hasard? Non. Bon, bah merci quand même. Mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Lou! Solène! Chachou machin. Mongolo. Sac à puce ou. Sac à puce. Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang. Mais il est où cette espèce de. Oh! Allez, le chat, viens. Minou, minou, minou. Il paraît que la prof de gym s'est dû refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles, tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninge. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, minou, minou. Je t'ai eu. Richard? Richard, tu as le chat? Oui. Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. Au fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan. Non. Si, comme je te le dis, si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi. Alors là, ça m'étonnerait. T'imagines le voyage de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne. Lou? Bah, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à vos les vaches. Oui, le chat va bien. À plus. Oui, à 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui. Il va pas plus vite que ça. Oh, bah si. Attendez que je passe la seconde. Accrochez-vous. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai, quoi? Tu racontes jamais rien sur toi. Vite, par ici, dépêche. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon, les vaches, 2 minutes d'arrêt. Waouh, mais c'est pas bien, je vois des saletés de chiennerie. Cousine, t'es où? Il y a encore un petit imprévu, à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin à la gare de Morninge. Bonne nuit. Ok. Ben, à demain, alors. Bonne nuit. Hé, Tristan, c'est moi. T'es où? Je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé, là. Et puis, je veux être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit, alors. Alors, ma louloute? T'es pas avec Tristan? Non. Il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir, je suis tombé dans le fumier.
Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Bon neige, bon neige, 10 minutes d'arrêt. Tristan! Monsieur, la porte est bloquée. C'est fait exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val-des-Naz, les dernières vont à Sellières-Superchevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Tristan... Le chat? Mais là... Hé! Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan? Dis, tu vois ce que je vois? Oui. C'est beau, hein? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. Tu m'étonnes, moi aussi. C'est peut-être vrai, alors. Quoi? Que la montagne, c'est magique. Je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou deux, ou même trois, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films, tu vois? Non, on ne doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman? Tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Si vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs? Vous vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps, elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures. Impossible. J'ai rendez-vous à 14 heures au parc avec Tristan.
Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûre que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté. Hé, hey, mamie! Ça sent toujours aussi mauvais dans ce quartier. Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi donc passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, bah d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans, des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Mais va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, hmm, qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe à Luman, à l'Alhambra, vers 10h. À Luman? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros, un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de Café d'Épée? Tiens, voilà la marquise dégueu avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navrée. Et ma triste condition de bourreau m'oblige à vous torturer. Ah, à force de faire la coquette, elle l'a pas volée. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando. Mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey. Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins fort, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non, mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... non, mais c'est vous! Vous n'arrêtez pas de... Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle! C'est nous qui allons sortir! Ce cinéma est trop mal famé, j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles! Attends! Il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30! Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer! Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes! Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin, il y a des sortes de vigiles, quoi! Alors d'accord! Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse. Je suis vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. T'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles? Enfin, un magasin digne de ce nom, hein? Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, boost book. Clé de 12. Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause, dis? J'ai acheté de bons sandwichs. Non, pas question. Tant que je n'aurai pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrai rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96 €. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Uh-huh.
C'est pas vrai. Foutu matériel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh. Il faudrait savoir ce que tu veux. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. Des quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Si, mais j'ai... Mais pas dans mes kebabs. Ben, vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté. Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne. Je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les deux minutes, hein? Oh, au secours! Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça, pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci! Attends! Prête pour la balade? Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Eh, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille! Je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine! Salut, Lou! Tristan, attends-moi! Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde! Je m'excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Oh. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satyre hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Je file. Bon vent. Et inutile de retenir. Ma fille ne veut plus vous voir. C'est pas vrai. Una pizza au chou de Bruxelles? Madre mia, je vais la faire. Mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti, bouti, bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Wow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Oh, quelle journée, mes aïeux!
pas qu'on me parle quand je cuisine. Ok, mais tu sens pas là? Il y a une odeur un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Oui, effectivement, ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille, comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout, mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok, j'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Oh. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais? Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Tadam! Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces faims. Solène est là? Ben oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel. Solène est vachement douée. Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis... Tu m'écoutes? Hein? Oui, oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas. Tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile? On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Ben, un peu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Ben, oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurme. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien.
Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle... elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant, à moi! À moi! Ouais, en fait, il est un peu naze ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais, à plus. Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Schurm, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement, pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial. Soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi! Maman, j'hallucine, qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds! Tiens, c'est... c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée? Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser, alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Mamie est au commissariat. Hein? J'arrive! Alors, tu viens jouer? Ben, non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Géronimo !» et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben, y a vraiment pas de quoi être fière. Oh, ma graisse, et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est, ces deux-là? Une paire de sauvages jaunes qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon, vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fougueuses ne louperaient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc vous, rendez-moi mon parapluie, que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener, vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui.
Bien fait. Mais maman... Silence. C'est l'heure de mon feuilleton. Père Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant deux mains gauches. Mais c'est horrible. Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de saindoux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard qui l'est mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien. L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle? En retard. Eh oh, du calme. Le match commence dans une heure. Oui, mais Tristan a dit qu'il arriverait en avance. Voilà, j'espère que Super Chevelle va gagner, hein. Pas moi. Bah, comment ça, pas toi? Tu veux que Richard perde? Ben, en fait, s'il gagne, il va sans doute rester avec Ludmilla. Donc, je préfère qu'il perde, quoi. Évidemment, vu comme ça. Ben, ça alors. Il n'y a pas un chat. Il ne reste même pas un vendeur. Ils sont tous partis au match. Comment on fait pour payer? Ben, je peux vous encaisser si vous avez la monnaie. Ah, vous voilà. Venez vite, mes petites poules. J'ai vos panoplies HS. C'est quoi HS? Hyper Super Chevelle. C'est comme ça que s'appelle le club des supporters. Vous voulez un bon patatogne? C'est une spécialité locale. Pommes de terre frites avec des oignons dans de l'huile de corne de bouquetin. Plus tard, merci. J'ai mes bretzels. Hello, elle est où? Tu comptes rester habillée comme ça? Ben oui, pourquoi? Dis donc, ici, on n'est pas chez les gros idiots de Super Chevelle. Non, ici, c'est la tribune de l'Enaz en force. Non, mais dites donc, vous deux, là, l'esprit sportif, vous connaissez? Tolérance, générosité, ouverture d'esprit, apparemment c'est du chinois pour vous. Le sport doit bannir la haine des cœurs. Il doit rapprocher les peuples dans le respect mutuel de leurs différences. Ça vous dit rien, ça? Bon, ça va. Tu peux rester. Merci. Non, mais... Que maire de Super Chevelle, je vous souhaite la bienvenue dans notre stade municipal. Cette année, le match intervallé opposera l'équipe de Val des Naz à l'équipe de Super Chevelle. Je vous rappelle que le match est retransmis en direct sur Choucas TV, notre chaîne locale, et commenté par Ruggiero La Paz, champion du monde de curling en 1978. Merci, Nicolas.
agricole et tout d'abord une page de publicité. Par chez nous, le gilet en peau de mouton, ça se porte de père en fils. Gilet Sopatech, mouton de père en fils. Et maintenant, place aux joueurs. À présent, et comme de feu d'usage, les capitaines vont s'adresser quelques injures en patois local. Muflas. Bousignette. Cramouflas. Pintouze. Oh, il semblerait que Richard soit sous l'emprise d'un fameux Dian-Dian. Quelle fureur! Ça nous promet un bien beau match! Attention, ça commence. Et pour ceux qui ne comprennent rien au curling, comme ma grand-mère, rappelons que c'est un peu comme de la pétanque, sans le bruit assourdissant des cigales. Mais voilà que Jean-Pierre de Valdelaz s'apprête à lancer. Voyons tout de suite la réaction de Super Chevel. Oh oui, c'est beau comme un coucher de soleil au crépuscule. Super, super, super Chevel. Super Chevel a nettement pris la tête et l'avantage et s'apprête de nouveau à lancer. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Super Chevel n'a pas de remplaçant. Or, le règlement est très strict. L'équipe de Richard devra donc se contenter d'un seul frotteur. Très joli lancier de Valdenaz. C'est maintenant au tour de Super Chevel. Fait cruellement ressentir. Et les nazes reprend l'avantage. Les nazes, on vous écrase. Les nazes, on vous écrase. Les nazes. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être bien que c'est une mauvaise perdante. La situation se dégrade pour Super Chevel. Il faut bien dire que Valdenaz est à présent loin, devant eux, qui sont derrière. Encore un magnifique lancer pour l'équipe de Valdenaz qui décidément va être très difficile à battre ce soir. Dis donc, c'est quoi ce manège? C'est pas un manège, joue correctement et t'auras un sourire toi aussi. Le sort de la partie semble hélas presque scellé. Richard, attends, je vous présente, comment vous vous appelez? Honoré. Honoré est un expert en ballet. Ah, ça c'est vrai, surtout le ballet brosse, avec ou sans serpillière. Pas question, on fait un match, pas le ménage. C'est moi le capitaine de cette équipe. On le prend. Merci, capitaine. Attendez, j'ai l'impression que Super Chevel vient d'engager un nouveau joueur. Maintenant! Oh là là! Ouais, 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 super! 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 Quel remarquable frotteur! Quel as du manche! Quel roi du ballet! Retournement de situation, c'est renversant.
Super Chevel a maintenant repris l'avantage. Oh, on dirait qu'un remaniement est en cours du côté de Valdenas. Incroyable! Jean-Pierre fait entrer un joueur de classe internationale, une star du curling. J'ai nommé le grand Johnson, Killing Joe Johnson, alias le prince de la Jamaïque. Je me demande bien comment une aussi petite équipe a fait pour se payer un joueur de ce rang. J'ai pris un crédit sur 30 ans. Oh. Spectaculaire! Valdenaz a repris l'avantage alors que Super Chevel n'a plus que deux pierres à lancer. Pour que Richard fasse basculer le score en sa faveur, il faudrait maintenant qu'il réussisse le lancer de la véritable démence. Cette figure mythique a été tentée de nombreuses fois depuis l'invention du curling, mais personne ne l'a jamais réussi. Mais on dirait bien que Richard va se lancer. Quel exploit fantastique ce serait! C'est incroyablement fabuleux, c'est à en perdre la tête. Regardez-les, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, hein? Oui, c'est vrai. Le score est maintenant à égalité. Richard n'a plus qu'une pierre à lancer. Mais puisqu'il vient d'écarter toutes les pierres adverses, ce n'est qu'une formalité à remplir. Et voilà. Coucou, ça y est, tu vas fêter ta victoire avec Ludmilla. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Mais je n'ai pas du tout envie d'être avec elle. Et en plus, comme les vacances sont finies, eh bien, je vais rentrer en ville avec Lou et toi. Mec, comment t'as pu faire ça, hein? Comment t'as pu rater ce point décisif et trop facile en plus? Super Chevel a perdu la coupe et moi j'ai perdu la face. Tristan et moi, c'est terminé et tout ça, c'est à cause de toi. Revenez quand vous voulez. Merci. Bye bye. À bientôt. Alors là, moi je suis pas prête de revenir, hein. Je déteste les sports d'hiver. Hey. Salut. Je crois que j'ai été un peu ridicule hier pendant le match. Ben, pas autant que moi. Ça doit être la faute au Dian-Dian. Oui, on va dire ça, oui. Dis, on pourrait passer le reste du voyage ensemble. Enfin, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ben, écoute, j'ai beau chercher, je vois pas d'inconvénient, là. Non, pas un seul.
Alors en fait, bon, chaque année, c'est la même chose. Maman succombe à la magie de Noël. Elle retombe en enfance et du coup, ben, elle fait des tas de trucs idiots. Il y a 3 ans, elle a voulu illuminer le sapin avec des bougies. Quand le pompier est arrivé, il nous a bien fait savoir que c'était pas une bonne idée. Et il y a 2 ans, elle s'est déguisée en Père Noël pour me faire une surprise. C'est au niveau du 3e étage qu'elle s'est souvenue qu'elle est parfois sujette au vertige. Le truc sympa, c'est que le pompier commence à nous connaître. L'an dernier, elle a voulu qu'on fasse un réveillon original sous la neige. Ce qui était vraiment original, c'est la porte qui s'est coincée. Il faisait au moins -10 et tous les gens de l'immeuble étaient partis en vacances, même Madame Schurm. Franchement, je sais pas ce que maman ferait sans les pompiers. Hein. Alors, cette année, on va faire dans le simple, dans le classique, on va essayer de passer un bon Noël. Allez, on récapitule. Qu'est-ce que tu dois faire? Acheter la dinde à la boucherie, les marrons chez le traiteur, une bûche chez le pâtissier et un beau sapin. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Je ne dois pas me laisser envoûter par la magie de Noël. Bien! Tu es sûre que tu vas y arriver? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, on se retrouve à la maison. Ok. À toutes! Achetez la dinde. 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 Achetez-la. Achetez la dinde. Achetez-la. Merci et joyeux Noël! Au prix où on est payé, ça m'étonnerait. Regarde, Robert, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Le nouveau livre du Dr. Johnson. Optimiser la communication dans le couple. Je te préviens, si tu me l'offres, je te parlerai plus jamais de ma vie. Eh bien, pas la peine de t'inquiéter. De toute façon, je ne te ferai pas de cadeau. Ah oui, eh bien, mon avocat non plus. Hé, salut, Mina. Salut. Papa, maman, si ça vous ennuie pas, je vais faire mes achats avec Lou. Rendez-vous à la maison. Ben alors, qu'est-ce qui va pas? Mes parents vont divorcer. Ah, ben dis donc, c'est pas cool du tout ça. Je vais sans doute vivre avec ma mère. Du coup, je verrai plus mon père tous les jours. Va falloir qu'on s'organise. C'est vraiment le pire Noël de toute ma vie. Je ne vois qu'une chose à dire. Chocolat chaud. Waouh, délire. Non. Et les courses alors? Je ne fais que ça. D'ailleurs, là, j'étais juste en train de, comment dire, de me documenter pour la déco de, des sapins, quoi. Ouais. Sinon, la boucherie, c'est par là. Hein. Bien, je rentre à la maison avec Mina. Waouh! Tu sais, je me sens un peu bête d'un coup. Je te parle de mon père qui va me manquer alors que toi, tu ne connais même pas le tien. Au moins comme ça, d'une certaine façon, il risque pas de me manquer, tu vois. Dis-moi, comment tu ne m'as jamais vraiment raconté ta naissance? Ben, c'était il y a longtemps. À cette époque, les téléphones portables n'existaient même pas. Ma mère avait 15 ans et c'était pas la super ambiance avec ses parents. Elle se sentait incomprise. Ben, elle n'était pas très heureuse, quoi. Mais un jour, sur le chemin du collège, tout a basculé. C'était la nouvelle la plus fracassante depuis l'invention de la machine à coudre. Les Rock Dogs faisaient un concert à la salle polyvalente de Mortebouze. Waouh! Espèce de gros clébard, j'avais confiance en toi. Fallait tôt ou tard, t'abuses de moi. C'est un pas gros clébard. Maintenant, chaque fois que je te vois, et bien, j'aboie. C'est scientifiquement prouvé. Les grandes histoires d'amour commencent toujours en chanson. La mouette trouve sa mouette, le goéland sa goélette. La vache trouve son taureau, la tourterelle son tourtereau. De sauvage. Vous, le yéyé, vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Et toi, retourne immédiatement au lycée.
connais pas tous les détails de l'histoire, mais en gros, maman n'a pas trop suivi les conseils de sa mère. Du coup, ils sont partis habiter en ville tous les deux. Et après? Pause, je nous prépare un chocolat chaud. Attention, on ne bouge plus. Et voilà. Au suivant. Et s'il vous plaît. Hé, hey, regarde, hein? Là, super Dario. Où ça? Où ça? Et comment ça s'est passé après? Vas-y, raconte. Attends, ça arrive. Une fois partie de Mortebouze, maman a pu enfin réaliser la vie de ses rêves. Waouh! Ils avaient déniché un vrai nid douillet pour amoureux. Ils arrivaient à vivre grâce à la musique. Waouh! C'était vraiment la belle vie. Mais un jour, maman a découvert qu'elle attendait un bébé. Waouh! Le problème, c'est que l'amoureux de maman, il se sentait pas prêt à être papa. C'était la fin d'une belle histoire d'amour. Maman se sentait un peu seule, mais pour rien au monde, elle ne serait revenue à Mortebouze pour entendre mon papy la traiter de... grosse paresseuse! Ou ma mamie lui criait dans les oreilles qu'elle n'était qu'une... bonne à rien! Du coup, elle a pris son courage à deux mains. Indomptable Amanda, salle numéro 2. Une mini frite, un maxi cola et un mouse burger, 15,80. C'est simple comme tout. Une fonction continue qui est strictement croissante sur un intervalle AB est telle que f de A soit inférieur à Y et f de B soit supérieur à Y. En même temps que ses petits boulots, maman a repris ses études. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Oh! Mais elle l'a fait. Et elle a appris qu'elle avait eu son bac le jour de ma naissance. Ah, trop forte. Ouais. Allez, une petite dernière. Vous êtes sûr? Ça fait quand même la 28e. Allez, quoi, c'est Noël. Justement. Écoutez, il est bientôt 19h30, alors faites ce que vous voulez. Mais moi, je rentre. Et où? En traîneau au pôle Nord? Non, chez moi. Rue du Général Bruges. Mes enfants m'attendent pour le réveillon. Zut, 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 zut. Le réveillon, la dinde. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle a continué ses petits boulots. La chevauchée des morts vivants, salle numéro 1. Alors, une maxi frite, un mini cola et un double micmac, 13,50. Et commençons par le vocabulaire de base. Merci, c'est dit thank you. Et beaucoup, filet. Maman a poursuivi ses études à la fac. Et elle a réussi à décrocher un diplôme de lettres avec une spécialisation en langue sylde. Filet d'inqué. Ensuite, elle a réussi à trouver du boulot comme traductrice, ce qui nous a permis d'emménager ici. Waouh! Bref, tu vois, maman et moi, on s'en est bien sortis. Même sans papa. C'est clair. Toi aussi, tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Merci. Alors, prête à rentrer chez toi fêter Noël? Kader, t'as des sapins de Noël? Ah, il ne me reste qu'un Picea abies. Il est cher, mais il arrive directement des forêts de Transylvanie et il sent bon le sapin d'antan. Ça marche. Tu as oublié de faire les courses. Non, j'ai des maquereaux en boîte, du hachis parmentier et des biscottes sans sel. Et surtout, j'ai un sapin exceptionnel. Et voilà. Oh. Ok, il lui manque quelques épines, mais il sent bon le sapin d'antan, non? Ha 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 ha
just to make me a sound. It was a long, long time ago. Now I feel the pain come back again. What I know is that I miss you, Dad. Don't want to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against myself and make a stand. Don't want to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against myself and make a stand. Journal, je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal, ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400, avec un processeur qui mouline à 1 giga et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3e802.11. Et la SD RAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Ah. Ouf. Ben je sais vraiment pas quoi dire. Ah, ben je crois qu'il y a plus rien à dire. Hey, Mina, je suis la reine des gourdes. J'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Oh, ok, ok. Panique, basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire cette fête? Bah chez toi. Impossible, à cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dinde toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Pouti, pouti, pouti. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat.
Et c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon? Négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui, et alors? Alors, il va se passer un truc, c'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolée, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas, je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Hé, tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi. C'est ça, ton miracle? Ah ben, bravo. Plomb de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais écoutez, moi, j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc? Plutôt deux fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture, Monique. Allons. Allons, ma belle. Et un banc pour l'ancien. Hip hip hip. Ah oui. Bon, ben,
bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Bonne année. Ja, bei meinem Freund ist Paulette. Mein Traum ist Kraft und Fall. Allô? Ça va? Tu passes une bonne soirée? Impeccable, et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant, c'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop. Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle me j'ai 29. Alors, c'est ici le réveillon improvisato. C'est cool. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia popa. Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1m20. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de Lémurien, alors? Ben non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte, répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder. Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon. Chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives. J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez! Bon, ben, meilleurs vœux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Ça me rappelle une coupure d'électricité à Brandy en 37. Où ça?
Cher journal, ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, eh ben, y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse. Dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevelle? Waouh! Après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. T'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux, enfin bref. Allez, à plus. Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Gigi. Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevelle. Bonjour, madame. Vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Pepo, mon neveu. Hey, vous pouvez m'appeler Pepo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, trésor. Hein? Ludmilla, je... Rien de cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oui, j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevelle et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, hey, dis, c'est encore loin. Ça y est, on est arrivé. Regarde. Alors? Wow, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzingue. Plus haut, c'est le pic de la Grande Frousse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché... Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Oh, personne.
La planète Bac à glace était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgor. Libérez-moi, Crevasse. Vous me faites froid partout. Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Et enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est... Enfin, disons que c'est compliqué. Voilà! Tiens, c'est marrant, ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez, quoi. Par la cosmopeste! Attention, prince Fulgor! Ne regardez pas ses yeux! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Non! Ah. Et voilà la fameuse croutiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Ben, tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça. Ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ses escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage. J'espère. Quelle joie ce serait. À nous deux, Crevasse. Vous dites? Non, rien. J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, tapez 1. Bon, allez, ça suffit maintenant. Hé hey! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre. Tu vas le regretter. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial. On se la refait. Ok, mais d'abord je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Merci encore, Ludmilla. Oh. Ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis parti de Superchevel et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. La cosmopeste. Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan. Avec quoi? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur?
C'est lui. C'est mon portable. Là, vite. Ça y est. Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Ah, Tristan? Non, Pepo. Hein? Bon, je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Et beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Krabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan? Oui. Hé, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Krabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein? La montagne, c'est trop génial. Et en plus, j'aime bien le ski. Ah si, si, je vous jure. En fait, comment dire, c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas, quoi. Le problème, c'est que moi, j'aime Tristan, qui aime le ski, qui ne m'aime pas. Vous suivez? Bref, pour réussir à passer du temps avec Tristan, j'ai eu une super idée. Tu as donné rendez-vous à Tristan en haut des pistes? Ben oui, quand il verra à quel point je suis nulle, il aura forcément envie de m'aider à rejoindre le bas de la station. Et comme je suis la pire skieuse de Super Chevel, ça va prendre des heures. Des heures avec Tristan. Ouais, enfin, si vous arrivez à vous trouver. Alors ça, t'en fais pas, il pourra pas me rater. Chachoumou, je suis désolée, il est très carpette comme chat d'habitude. Oh, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave, ce sont juste de vieux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce sport déjà? Une sorte de pétanque, non? Non, c'est du curling. Richard était champion de curling, vous ne le saviez pas? Non. Il était même le capitaine de l'équipe de Super Chevel. Grâce à lui, la ville a remporté la coupe Intervallée pendant des années, jusqu'à ce qu'il arrête complètement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de pression. Il a craqué en pleine finale. Il est parti avant le dernier lancer et depuis, il n'a jamais remis les pieds sur une piste de curling. Vous croyez que pour le fun, Richard me ferait une petite démonstration? Pas question. Ah, ça, désolé, mais ça ne va pas être possible. Le curling, c'est du passé. Le petit déjeuner est prêt. Prenez donc une autre tartine. Merci beaucoup. Bon, ben, j'y vais. À plus. Tu vas où, ma louloute? On devait faire un bonhomme de neige avec Richard. Oui, mais c'est que là, en fait, j'ai rendez-vous avec, avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne s'appellerait pas Tristan, par hasard. Ah, les vaches!
Oh, les vaches! Tiens, Richard, lis ça. Ah, c'est comme ça. Jean-Pierre de Valdenaz a déclaré « L'équipe de Super Chevelle est nulle, Richard est revenu, ça ne change rien. La coupe intervallée n'est pas prête de quitter Valdenaz. Quand on lâche le curling pour des poèmes italiens, c'est qu'on a de la mozzarella dans les biceps. » C'est qui ce Jean-Pierre? Le capitaine de l'équipe de curling de Valdenaz. Il a toujours perdu face à Richard. Là, il lui a clairement lancé un défi. Il peut toujours attendre. Richard ne veut plus jouer au curling. Sauf qu'après une provocation pareille, il a sûrement le dian-dian. Le... Il a le quoi? Le dian-dian. La fureur des montagnes, quoi. Quand on a le dian-dian, on ne craint rien, ni personne, et ça donne une force physique surhumaine. Ce phénomène arrive aussi aux bergers qui restent trop longtemps dans les alpages. Quand Richard jouait au curling, il avait toujours le dian-dian. C'est pour ça qu'il ne perdait jamais. Alors, celle-là, je l'ai prise il y a longtemps, cachée dans une poubelle. Formidable! Enfin bon, le problème, c'est qu'il y a une peau de banane devant l'objectif, alors vous pouvez pas bien voir. Mais Tristan, en vrai, il est super beau, hein! Là, c'est un SMS qu'il m'a envoyé. Il a écrit « Je suis en train d'acheter du pain ». Super cool! Là, c'est encore lui, enfin son pied en fait, j'étais émue, alors j'ai un peu mal cadré. Là, c'est une photo de ses rideaux. Et là, ben... Oh non, zut! Oh, plus de batterie! Ce n'est pas grave! On est arrivé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien qu'une petite panne. Ça dure rarement plus de 10 minutes. 10 minutes? Mais c'est maintenant que j'ai rendez-vous, moi. Vous savez, Richard a failli participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Allô? Tout le monde l'adorait à cette époque, surtout Ludmilla. Ah, ça, il formait une sacrée équipe. Vous voulez dire que Ludmilla jouait au curling avec Richard? La Ludmilla, son ex-fiancé? Oui, merci René. L'équipe est reformée, ils reprennent l'entraînement. Avec un peu de chance, ça va rapprocher Richard et Ludmilla. Viens à moi, Prince Fulgor. Tu m'appartiens, tu le sais. J'arrive, mon adoré, mon amour. Nous allons nous marier et jouer au curling jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Non, Fulgor! Ne l'écoutez pas. Elle est complètement givrée. Alors là, je dis non. Oh. Oh. Bonjour, Richard est là. Richard, vous voulez parler du grand Richard, l'as du curling? Ah. Richard, j'y crois pas, tu reprends du service? L'heure de la revanche a sonné, mon petit Jackie. On va tondre ces nazes de Valdenaz. C'est pas vrai. Hé, il faut absolument l'empêcher de reprendre l'entraînement. Il a le dian-dian. On peut rien faire. Bonne chance avec Christian. Pas Christian, Tristan. Formidable. Allez. Comme dit Mina, la peur grossit les obstacles. Après tout, c'est qu'une petite piste bleue de rien du tout. Besoin d'un coup de main? Tout va bien, merci. Je prends le temps de profiter de la vue. Formidable! Hello, Jou! Ben alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, t'as plus de batterie? Sinon, j'ai un truc à te dire et c'est très important! J'arrive! J'ai entretenu la piste tous les jours, je savais que tu reviendrais! Désolé, Richard, je vais effacer ce score tout de suite. Non, laisse, Jackie.
Ça va nous motiver. On a perdu le dernier match à cause de moi, mais cette fois, je ne vous laisserai pas tomber. Ici Froxy Pig, ouais! Je déteste le ski, je déteste la neige et la montagne, et je hais les vacances! Devant, chauffe, chauffe! René, continue! Ludmilla, maintenant! Yes! Faut envoyer la pierre près du centre de la grosse cible, c'est ça? Oui, ça demande force, endurance et précision. Un sport de prince. Tu parles de la pétanque avec un balai, quoi. Un truc de blaireau. La bougneuse. Oh! Je hais carrément ce sport. Attention! Ça va ou bien? Ça va, ça va. Dites... Vous n'auriez pas vu... Un garçon brun qui a une copine qui s'appelle Lou, peut-être. Oui, et Lou, c'est moi. J'avais deviné. Il a laissé un message pour toi. Rendez-vous à la piste noire. C'est par là. T'es chanceuse, y a pas la queue. Devant. Chauffe. Chauffe. Quand je pense que ce matin, Richard ne voulait plus entendre parler de curling. Ouais! Ouais, Ludmilla, elle sait y faire, elle! Hein? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne le dites à personne, mais c'est elle qui a informé Jean-Pierre que Richard était revenu. Comment vous savez ça? Comme on dit par chez nous, les marmottes papotent. Quoi? C'est grâce à elle qu'il a le dian-dian. Et là, qu'est-ce que vous faites? La pierre! Ah! Ah, quelle poisse! Hein? Tristan? Hé, hey, Lou! Viens vite! La neige est hyper bonne! Ok, j'arrive! Sûrement en plusieurs morceaux, mais j'arrive. Allez, comme dit Mina, Banza! Waouh, c'est du ski acrobatique? C'est quoi toutes ces figures? Rien. C'était une improvisation de la pauvre Lou qui ne sait pas skier. Tu sais pas skier? Mais fallait pas prendre la piste noire, t'es dingue. Bon, j'espère que demain la bosse aura disparu. Je suis désolée, Richard. Je sais pas ce qui m'a pris, vraiment. J'ai senti comme une colère, une fureur, un truc dingue. C'est le dian-dian. Ah, et comment on fait pour que ça passe? Rien. Faut se calmer et respirer. Ah bah oui, tiens, ça va mieux. Tu peux retourner à ton entraînement de curling, je ne t'embêterai plus. Non, tu sais, j'ai tout annulé finalement. Et maintenant, moi aussi, ça va mieux. Bon, et si on le faisait, ce bonhomme de neige? Bon, alors, c'est vers où, Super Chevel? Par là. Je me demande comment je vais y aller, sur le dos ou sur le ventre? Ni l'un, ni l'autre. Je vais descendre avec toi. Allez, viens. Voilà, bien. Comme ça, je vais t'aider à contrôler ta trajectoire. Contrôler? Je suis prête. Allez, c'est parti, on y va. Tout doucement. Formidable!